Après un quart de siècle d'existence dans les paysages médiatiques tchadiens, le journal Le Progrès a un rendez-vous avec l'histoire. 25 ans, c'est l'âge de maturité. Il s'agit de célébrer les mérites des hommes et des femmes qui ont fait le renommage du journal Le Progrès leur souci primordial. L'unique quotidien du pays a été témoin de l'avènement de la démocratie naissante. À travers ses écrits, le journal a contribué de manière déterminante à la sensibilisation et l'édification de la population. Abdrahmane Barka, directeur de publication, rend hommage au fondateur du journal Le Progrès, Mahamat Hissène. Mahamat Hissène, qui s'est sacrifié pour que le Tchad dispose aujourd'hui d'au moins un quotidien, le seul jusque-là, Le Progrès, très accessible aux lecteurs. Le fondateur du journal Le Progrès, Mahamat Hissène, salue le dynamisme du personnel. Un organe fiable et viable. On a fait une partie du chemin, il reste encore du chemin à faire. Mais je pense que le journal est sur la bonne voie. Il est surtout fort de la confiance de la population, de ses lecteurs, de ses annonceurs. Et cette confiance, il va travailler dur pour la mériter continuellement. À la faveur de ce 25e anniversaire, des attestations de reconnaissance sont décernées aux lecteurs et amis du journal pour leur soutien multiforme. Le journal Le Progrès, il m'arrivait de temps en temps d'aller au siège du journal sur l'avenue Charles de Gaulle, un peu plus haut là où il y a la banque agricole et commerciale. Maman avait tenté l'aventure de l'imprimerie. Vous arrivez, vous trouvez mon ancien, il avait des mains toutes noires. Là, une fois, je lui avais demandé, mais grand, c'est quoi ton affaire avec des mains noires? Il me dit, je suis à l'imprimerie, c'est moi qui supervise. Il dit, journal, tu écris l'article, mais tu es à l'imprimerie. Tu dis, non, non, mais il se trouve, malheureusement, l'aventure. Heureusement que l'aventure de l'imprimerie s'est arrêtée très tôt. Continuer. Le Progrès n'est pas comme les autres journaux, c'est parce que je suis ici dans la salle. Le Progrès évitait les commentaires. Je n'aimais pas trop le commentaire, c'était les faits